m'appelle Pauline, je suis chef de projet en robotique. Je vais vous faire découvrir mon métier toute la journée. Allons-y. Après un baccalauréat sciences de l'ingénieur, j'ai intégré l'école d'ingénieur. Et j'ai réalisé mon stage de fin d'études ABS System et j'ai eu la chance d'être directement embauchée sur un premier projet pour un robot médical. En tant que chef de projet, je dois m'assurer de l'atteinte des objectifs en termes de coût, qualité et délai. L'objectif, c'est de bien comprendre ce que le client attend, ce qu'il va pouvoir faire avec le robot et puis de formuler le mieux possible pour que le robot y réponde. Hello. Je suis chef de projet sur le projet Roboca. L'objectif, c'est de concevoir un robot d'aide à la rééducation de la main. L'objectif du robot, c'est que le patient soit harnaché au robot, donc d'aider le praticien dans ce travail de rééducation très répétitif et très long de la marche. On assoit la manette, donc, qui est directement dans les mains du praticien. Donc, dans ce cas, il va guider les trajectoires et choisir la vitesse. Et on peut aussi utiliser une tablette. Le praticien va pré-enregistrer les trajectoires. Il va pouvoir lancer en automatique le parcours et le répéter plusieurs fois pour que le patient réapprenne à marcher doucement dans le temps. Vous avez testé la chute du patient? Oui. Ouais. C'est en marche arrière, on n'a pas coincé la marche avant. Si d'accord. Tu veux, on peut faire le test. On peut regarder ensemble. C'est parti. Top. Tu vois, on ne roule pas quand il tombe. Ouais, non, c'est bon. Voilà. Ouais. Donc, j'ai fait un point hier avec les praticiens qui commencent à utiliser Roboca. Les praticiens se demandaient si ce serait possible de modéliser les murs par des lignes droites, qu'on comprenne mieux où est-ce qu'ils sont sur le plan. On peut effacer les points pour affiner le mur. Salut Pauline. Salut Pauline. Je suis assez curieuse, donc dans le métier de chef de projet, je m'y retrouve pas mal parce qu'on travaille en équipe avec différents métiers. En plus, on travaille avec des gens qui sont passionnés par la robotique, donc qui sans arrêt reviennent avec des nouvelles solutions, qui nous montrent des nouveaux projets. Depuis quelques temps, je m'occupe de projets industriels. L'objectif, c'est de fabriquer des chariots à fourche ou des chariots avec des convoyeurs motorisés. Bonjour Philippe. Bonjour. Ça va ? Ce client a besoin de positionner sa charge en hauteur, à 3 mètres de haut, et il a un plafond très bas. J'ai retranscrit tout ça sur le plan de code fonctionnel. À 20 mm près, on est dans les clous. Ouais. Durant le projet, je m'assure que tout se passe au mieux pour les équipes. Bonjour Pauline. Donc pour ça, je fais des points d'avancement avec eux, savoir où ils en sont, quelles sont éventuellement leurs problématiques, et on peut essayer ensemble de les résoudre. Bonne soirée, Marilyn. Bonne soirée. À demain. Plus tard, j'aimerais continuer ce métier de chef de projet en robotique parce qu'il me passionne et j'aimerais travailler sur des projets plus importants, voire à l'international.